Bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc avec une intro sur cette Subara, voilà une magnifique Subara. Donc épisode 23 ou 22, je sais plus, non 22. Et on se retrouve dernièrement, on avait eu Ronald McDonald. Car tu voulais plus le voir parce que t'avais peur de plus avoir de save, enfin de crash et du coup tu l'avais snowbar. Pourquoi Polo dégage là Polo? Bon alors t'avais fait 3 courses. Je l'avais vaincu celui-là non? Polo oui tu l'avais vaincu Polo. Polo oui. Défi 3 donc on va continuer les cursed. Bah vas-y on va faire les cursed de toute façon on a plus que ça à faire. Voilà. On a plus donc le dernier épisode, j'avais ragé comme un fou furieux, mais Koneko ne sait pas, il découvrira quand la vidéo sortira. Donc la vidéo est sortie il y a 2 jours. Ah merde, j'ai pris la Subaru. C'est qu'il a pas vu. J'ai gardé la Subaru. Bon, c'est pas grave, vas-y. C'est pas grave. Je vais vous montrer que le moteur japonais c'est bien aussi. Merde, j'ai appuyé sur le frein. J'ai appuyé sur le frein à main, ouais. Mettre le nitro comme un. Là, il y a deux grosses Mercedes-Benz là. Ouais, les Allemands là. Les Allemands! Hans Schwellon! Auf gesessen! Musique! Deutsche Qualität. Deutsche Qualität. Les Allemands! Les Boches. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie, oui. Oh my god, c'est une Audi, ça devant, non? C'est que des Allemands. Hitler. Ich bin ein. Ein. Ein Berliner. Ich bin ein Berliner. He's a Nazi! Get him! Et goût, c'est Kartoffeln! Un kilogramme Kartoffeln. Un liter Milch. Drei Eier. 90 grammes Butter. Salz. Und. Muskatnuss! Muskatnuss, Herr Müller! Goût, c'est Kartoffeln! Mais enfin, Fräulein, nous sommes tous allemands ici! Oh! Un piton de soule! Un piton de soule! Juste ici! Comme ça, si on a besoin de fuel, on a du fuel! Salut tout le monde! De toute façon, moi j'ai toujours préféré les moteurs japonais que allemands. Ouais! Et les moteurs français, t'aimes bien? J'aime bien aussi les moteurs français, mais si tu veux choisir entre japonais et allemand, j'avoue que je suis japonais. Oui, c'est. Bah, les moteurs allemands, la 45 AMG, c'est bien. Après, quand t'as un Soussard dessus, la facture est salaire. Hein. Oui. Bah, comme toute voiture de sport. Mon fiston. Oh. Moins cher, 20 euros. 10 euros ouais, moins cher. 10 euros. Il y a un Dogo là, regarde à gauche, il y a un Dogo. J'espère que ça filme bien. Franchement, j'espère que ça filme pas la fenêtre de Discord parce que j'ai peur qu'il y a un bug. Normalement ça devrait filmer cette putain de fenêtre là. Oh my gosh. Et t'avais pas ce problème avant? Bah non, c'est depuis que c'est la manette. Avant je filmais avec la manette, j'avais le raccourci de la manette. Mais ça c'était... avant. Lambert, je crois que vous avez quelque chose au pied. Maintenant que vous le dites, je sens comme une... légère entrave. Xbox est maintenant, vu que manette gogolisée est morte. Hein? Enfin, elle est pas morte, mais voilà quoi, débile. Bah je joue avec ma FPS4 et j'enregistre avec le clavier. Ouais. Et du coup, clavier, c'est pas, il peut y avoir des sous-sorts. Le clavier, le caviar. Le caviar. Tu répands du caviar sur ton... sur le clavier. Sur le clavier, ouais. Et oui, après, ça enregistre. 10 centimes. Ouais, 10 centimes. Mais après, parce qu'il y a 50 cents aussi, le rappeur. Le rappeur qui s'était fait... Qui s'était fait rect par Zemmour sur comment ça s'appelle déjà, on n'est pas couché là. Et en plus c'est très intéressant parce que ce qu'on constate dans l'hypercapitalisme des années 90-2000, c'est justement la jonction. Ah oui. Regarde, je monte à 300 avec ta Subaru quand même aussi, tu veux, à la de patata. Hein. Oui. Vraiment que La Clio de base de V6 même ou cette Subaru elle monte pas à 300. J'aimerais bien acheter la Porsche Carrera GT et la tester après en origine
pour voir si on peut. Ouais, ouais, bon, on verra, ouais. On verra ça après. Voir si on est vraiment à 340 à l'art. On verra bien, mais il faudra peut-être. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait une bonne ligne droite, quoi. Parce que. En vrai, elle mettrait peut-être. Elle mettrait peut-être 50 secondes, 1 minute pour monter à 330, 340. Dans la réalité. La République ! C'est moi ! L'unité libre, ton unité libre, elle va jamais arriver parce qu'on va aller dans une autre course. Allez, on va faire des photos radar maintenant. Et on a quand même pas mal de cursed à faire, hein, et c'est longué. Qui dit longué en 2022? Bah moi. Et j'ai gardé la Subaru, c'est pas grave. Il m'a fait l'épisode avec la Subaru. Oh bah tiens, regarde, il y a une Subaru. Oh, elle est sympa, ouais. Aussi en jaune. Mais casse-toi, ouais. Toi, putain. C'est Polo qui s'est acheté une nouvelle voiture et parce qu'il y en a marre que tu le rectes. Donc c'est dehors. L'arrêt! Ah putain, c'est vrai que c'est photoradar, faut pas faire le con. Oh, ah oui. Ah putain, ouais, t'as 50 km/h de retard là. Ah, y'en a un qui est devant, j'avais pas vu. Putain. Tiens, tu vois, il y a un camion avec des voitures là. Par contre, y'a David Guetta qui est premier là. Parce que She-Wolf de David Guetta, là. C'est bon, là, on va rattraper. Tu pollues, oh oui! Oh non, mais là, on a fait de la merdard. Le boxeur Mike Tyson, il est en retard. Waouh, qu'est-ce que wow, c'est que ce truc, là. Waouh! Avec le Kong à l'intérieur. Oui. Ah là, elle, on les a niqués, regardez devant. Kong, ouais. Kong versus Wolf, quel est le meilleur animal qu'il est? Ah, y a Tison. Y a Cyanobactérie qui est devant là. Tison de poison. C'est moi qui est devant! Mais nique ta mère, Polo, ça fait deux fois que je le prends là. Désolé d'être salé, mais c'est que c'est drôle de dire nique ta mère, Polo. Du coup, ça veut dire que t'es en contre deux Asiatiques en même temps, quoi. C'est qui le deuxième Asiatique? Bah, c'est sa mère. Non. C'est pas obligé que ça soit une Asiatique. Bah, sinon, ça veut dire que sa mère s'est fait tromper, quoi, non? Bah, non, c'est pas possible, parce que c'est elle qui est enceinte, quoi. Donc, elle voit l'enfant qui sort, donc. Ça me déconcentre, putain. Putain, il va arriver, l'autre. Il va à droite. L'autre, il va en profiter. Bon, l'autre, il a tellement d'avance. Il a de l'avance et ça, c'est pas bon pour la santé parce qu'il va nous faire descendre des kilomètres heure, là. Comment ça se fait qu'il ait autant d'avance, là? C'est bizarre, ça. C'est pas normal qu'il ait autant d'avance. Il est chaud. Ah ouais, non, mais là, il est passé devant, là. Faut que je recommence pas cette cursed, hein. Bah, il va falloir la recommencer. Putain, les Chinois. Tu devrais la recommencer maintenant parce que là, ça sert à rien. Il faut tester dans la barre avant de... Bon, t'es troisième là. Attends, mais il me reste un radar. C'est quoi tout ce monde là? Ils partent tous en vacances ou quoi là? Ah oh, putain, regarde, il est le radar. C'est justement ici que je suis passé dans l'épisode précédent pour faire le radar. Oh my god! Vite! Ça descend là, ça descend! Yes! Oh putain! Ah, t'as bien fait de pas recommencer là. Oui. Déconcentre pas. Oh, c'est moi! C'est moi. Écoute, je sais que tu as parlé à Rezor. Ne le laisse pas t'influencer. Il cherche à t'embrouiller. Ne te déconcentre pas. Toi, tu cours. Moi, je m'occupe du reste. J'ai des plans pour lui. Bye. Elle a des plans cul pour lui. Oh, ça va vite! Prochaine cursed, c'est par tard. Ah, t'as fait un drag race? Oui. Tu es chaud des drag race maintenant, c'est une bonne nouvelle art. C'est bien les drag race. Une fois que tu sais les touches que. Oh, regarde, il y a une Lotus Elise. Ah ouais, c'est la première fois qu'on en voit une, non? Ouais, on l'avait pas vu, je crois. Et des galardards. Bon, des galardards. Ils
prennent la grosse tête, ouais. Les gars, là, ouais. Regarde. Waouh. Waouh. Mélenchon là. La République. Et tout, c'est incroyable comme il marcelle ce chat, c'est abusé. Imagine ceux qui se sont fait chier là, les marsons, à foutre ces putains de barrières et toi tu viens tout rect. Est-ce qu'il y a Apollo qui va sortir de cette côte? Oh putain, oui. Le pire c'est que c'est vraiment Apollo qui est sorti quoi. Ouais. C'est un peu con parce que maintenant, depuis qu'on joue au jeu, les personnages, enfin qui sont les sujets qui sont définis par des couleurs, par exemple le jaune c'est Polo, les jaunes c'est des polos, les bleus c'est des Zemmour, donc c'est à dire que dans Scum Poubelle il y avait Zemmour. Tu veux dire que Zemmour, après sa retraite politique, il est éboueur, c'est ça, quand il a raté la présidentielle, non. Qu'il a fait 7%. C'est le jeu qui le dit, c'est pas moi alors. Ah, mais tu te rends compte, dis-toi que, enfin je sais pas. Quand tu commences à faire une course et que t'es à 7% de la course, t'as fait genre 10 secondes de conduite et t'es déjà au score de Zemmour, quoi, c'est... Ah bah là, là on est à 55% là. Là on est au score de... Ouais, de Macron. De l'autre au deuxième tour, voilà. Tour, ouais. Dégage. T'as un barrage, c'est bien. Ouais. Ah, il se l'est pris. Ah, il se l'est pris, il se l'est pris, ouais. Les deux. C'est bien, Apollo, on est fiers de toi, c'est ça qu'il faut faire. C'est que pas comme si c'était il avait fait volontairement en fait. Ouais. Ouais. Il y a deux polos qui suivent là. Il y en a un troisième, il y a Steve. Ouais. Vénère, il revient. 80%, il y a pas de rame doublard. Lui. Ouais, il a 15 mètres derrière là. Il s'appelle Gears. Faut qu'on se marre. Yes. Oh Kitou, tu peux arrêter de me griffer putain. Cool. Mais il me griffe pas, mais il sort ses griffes là, putain. Et il a pris les postes sur ma peau, c'est on chiant. On enchaîne, on enchaîne. Arrête. J'y vais, lui. What? Il trouvait pas de place pour se garer au centre-ville, du coup il s'est garé là. T'as les poubelles, elles sont toutes vides. C'est bien la preuve qu'il y a personne qui passe ici. Y a personne qui passe ici, y a pas d'habitants, c'est que des voitures. Ouais. Et y a que des Kongs dans cette ville, ils sont dans les voitures, ils peuvent pas bouger. Ouais. Ils sont vissés, tu sais. Ils sont vissés dans leur voiture. C'est-à-dire, tu vas me dire, tu vois dans le bâtiment qui est là, ils sont en famille, et y a les voitures qui sont autour des tables, et y a les gens dedans, ils bougent pas et... Mais ils sont crucifiés, il a les miens crucifiés sur le volant. Là. What the What La hitbox quoi, putain, ça c'est un problème de hitbox hein, qui m'a fait bugger comme ça. Et là franchement, putain, 9 secondes ça va être dur, hein. Faut pas se louper. Hein. Il y en a un autre. T'as pas trouvé de place aussi. Ouais. Genre tu sais, les voitures arrachent les poteaux comme ça. Oui. C'est-à-dire que dans le monde de Need for Speed, les poteaux sont tenus avec rien du tout. Ou ils sont en carton. Bon, en soi, t'arrives avec beaucoup de vitesse, mais... Ouais, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Quoi. Non, normalement, tu prends un poteau... Ouais, sur, là on dirait qu'ils sont juste posés. Ouais. Ouais, ils sont posés quoi. C'est... La glu est fatiguée sur. Pourquoi ils mettraient de la glu d'ailleurs? Ça n'a pas de sens. Ouais. Ils ont plus rien. Il y a que des usines à côté. Mais du coup, Je peux te dire que Jado il est très content quand tu défonces les lampadaires parce que ça fait des économies d'énergie. Oui. C'est vrai. Y'a un hacker, cette j'ai pas pris. Nyon. 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 Nyon.
Nyon. Nyon. Nyon. Nyon. Nyon. Nyon. Wow, 3 à l'heure. Un nyon 35. Par pourcent. Un nyon par pourcent. 35 km/h, ouais. À toutes les unités, on a vu une voiture rouler à 35 km/h, on a rien d'autre à foutre, alors on va l'arrêter. Ah, putain. Combien de cursed ? 5 ? 6, allez, encore 2. Ça va aller. On va faire celle-là tranquillement, et après on fera une avec les flicos, et on enchaînera avec les défis, et après on ira voir Ronald McDonald, et ensuite il va nous donner son Aston Martin, et... Et du coup c'est dans le Happy Meal que tu gagnes la Aston Martin ? Bah normalement oui. Hein. Genre elle est dedans quoi. D'ailleurs tu l'avais vu ou pas son Aston Martin, tu l'avais regardé ? Ouais je crois. Tu te souviens quelle couleur elle est ? Je crois elle est verte, non ? Elle est dégueulasse, elle est jaune et verte. Ça va pas du tout sur une Aston Martin. Magnifique. Regardez comme elle est belle cette Aston Martin. On verra quel commentaire j'avais dit, flashback et... Voilà, et... On verra. J'espère que tu seras du même avis que moi. Dans la vidéo. Et si je suis pas du même avis, qu'est-ce qui va se passer? On va se battre dans les commentaires. Ouais. Tu le verras à l'épisode précédent normalement. Tu sais qu'on peut faire tomber les voitures normalement. Elles sont pas tombées, je crois. Ah, mais du coup, la voiture blanche, c'est quelqu'un qui avait voté blanc. Bah ouais, on peut dire ça. Belle. Il y en a un autre là. Waouh, t'es un peu. C'est les médias, ça, c'est les casse-couilles. Depuis 8 jours. Tiens, il y en a encore un là-bas. Il y a Jado. Il y a Polo Chantier là, Polo Maçon. Polo Chantier. C'est un camion de chantier, hein, comme on remorque. On appelle ça comme ça. Est-ce que tu vois Polo faire tabarnak sur les chantiers ? Non. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Putain, y a du monde là. Ah, 10 secondes quand même. T'en auras tellement rien à foutre que tu défonces le panneau limitation de vitesse. J'ai étudié le code pénal. Le code civil, le code pénal, le code du commerce. N'en parlons pas parce que ça n'intéresse personne, mon histoire. Heureusement que personne prend l'apéro sur ces terrasses. Hein. Que du coup, bah, il serait mort. Il serait coupé en dard à la vitesse. Polo là, putain. À chaque fois, c'est un polo que je me prends, c'est fou. Hein. Du coup, maintenant, s'il y a un incendie, plus personne ne pourra l'éteindre. Oui. Il n'y aura pas d'incendie dans le jeu. Mais avant, quand tu défonces la bouche d'incendie, il y a toute l'eau qui sort, non ? Ouais, mais ils l'ont pas fait. Parce qu'il n'y a pas d'eau dans ce jeu. Il n'y a pas d'eau ? Donc comment les gens vivent ? Il n'y a pas de gens. Il y a de l'eau, je crois. Il y a pas des lacs, des trucs comme ça, s'il y a une rivière à côté, là, sur la map. Ah ouais. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette rivière ? Waouh ! Alors ça, c'est vraiment prendre la grosse tétarse. Oui. Je pense que tu prendrais perpétuité de prison avec tout le bordel que t'as fait depuis le début du jeu. Hein. Franchement, il y a deux cons qui se trimballent dans la ville, une en Clio et l'autre en Subaru et ils défoncent tout. Parce qu'on peut s'imaginer que dans le let's play on est deux en fait, c'est toi t'as la Subaru et moi j'ai la Clio et on fait le corset de l'autre côté en fait. Mais n'oublie pas de prendre ta Clio après. Lui il a fait ça, c'est pris sur le côté. Wouah. La gueule. Bon allez, prenons la... Je vais faire un petit save-ar. Okar. J'ai pas dit Okar, hein. J'ai dit Okar. Pas Okar. Mais... Allez, dernière cursed et là il faut faire... Là ils y sont, on va... Voilà. Hop, c'est encore... Putain, c'est toujours les mêmes courses, c'est le même endroit mais avec les flics là, et à l'envers. C'est ça qui va être chiant un peu parce que au final c'est répétitif, tu vois, genre. Mais y'a pas d'autres zones de la map là ? Non, c'est tout le temps ici. Tu vois, c'est la même mais à l'envers, t'as vu, regarde. On a fini là tout à l'heure. Et là en fait on fait la course mais dans l'autre sens. Et là il y aura les flics, normalement.
J'ai mon micro qui commence à tomber, on va l'enculer. Voilà. Bon bah alors, elle est où Sabine? J'en sais rien moi. Tiens, appuie sur le bouton, on va peut-être savoir. C'est pas Sabine ça! Non, c'est pas Sabine. Allez Marcel! On va l'enculer. Et du coup, on a découvert toute la map là, non? Pratiquement, ouais. Ah, il reste un morceau. Est-ce qu'il y a vraiment des... Il y a des endroits qu'on n'a pas vu en vrai, je sais pas. Si. Envole-toi! Allez, niveau 2 maintenant, la Clio! Ça va être chiant pour les défis, hein, si on a des tasons avec nous qui nous poursuivent. Et les flics, ils vont nous faire chier pendant qu'on va conduire. L'aile. Polo! Mais Polo! Putain! Ta gueule! Il est arrivé, il est sorti de nulle part ce... Il est en train de faire un vlog Pokémon Go et toi tu viens l'emmerder. C'est lui qui vient l'emmerder, là nous on fait nos cœurs cèdes et lui... Bon, c'est moi qui arrive à 300. Je l'ai perdu! Mais non, tu l'as pas perdu, regarde, il est là. Voilà, voilà, voilà. La République, c'est moi. Voilà, voilà. Oh putain, c'est lui. Bah je roule sur les chemins, mais vous aussi vous roulez sur les chemins, donc... Bah oui. Je vais rien dire. En plus, ils étaient déjà là avant. Quand j'étais petit, on avait l'habitude de dire, quand on se disputait pendant la récréation, c'est celui qui dit qu'il est. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas qu'un dicton enfantin, il y a un sens psychologique profond. Nous voyons toujours nos propres traits dans ceux des autres et nous pensons qu'ils sont comme nous sommes en réalité. Oh, magnifique Clio dans les airs. Ils viennent sans remarquer que maintenant que je refuse de m'arrêter. Ouais, et aussi ils refusent de s'arrêter. Take down. Merde, ça c'est dur à éviter. Oh, what, il a fait quoi lui? Il a tapé dans les... Qui est-ce qui fait le... Lol. Bon mais tu les as semés. Par contre ce qui est très con c'est... En vrai dans les courses c'est vraiment une ville fantôme là. Enfin, il y a très peu de circulation alors que normalement il y aurait des bouchons partout, tu sais. Bah non, mais il y a des voitures partout. Ouais. Mais bon, heureusement qu'il n'y a pas ça, sinon ce serait impossible de rouler en fait. Bon, c'est après toutes les bagnoles. Imagine, c'est un bouchon à chaque intersection là. Ce serait la merde. Top! Quelle mer communique avec l'Atlantique par le détroit de Gibraltar? Mer? La mer du Nord? Non. Oh non, sous quel autre nom connaît-on la mer des Caraïbes? La mer. Ah, c'est déjà fini, lol. Il faut que recède. Vite, faut trouver un flic. Je vais chez eux carrément. Je vais les chercher, moi. Pourquoi y'a pas de flic ici? Mais non, c'est... En plus on est chez eux, regarde, c'est débile. Ils devraient tous partir là, à ma recherche, là. Ils devraient tous être là, ici, là, en train de partir. Lol. Y'en a là-bas. Jadot, tu dégages. Oh oui. Attention, Clio s'échappe. Mais ils sont cons. Envoyez des unités pour boucler le secteur, je l'ai perdu. Ils sont barrés là-bas, t'as pas vu? Si. Le système, voilà, nous avons rattrapé notre retard. Pontiac. Là, il est Pontiacar. Des Tipiacs. Alors, les défis, c'est quoi? C'est faire... Frôler 32 bagnoles de flics. Ça n'a plus que 29. Faire 600 000 de primes dans la cursed, ça va être chiant. Échapper à la poursuite en moins de 2 minutes, donc ça on pourra pas la faire. Et c'est quoi l'autre? Faire une poursuite de 8 minutes et s'échapper? Bon, ça va. Regarde, ça va, y'a personne derrière. C'est... Oh putain, Sena, il s'est crashé. C'est drôle quand même, hein, de les voir passer dans un petit chemin et ils se foncent tous dedans. LE véhicule. Yo. Zelda, suce petit papa Noël. Je vais te prendre petite butte. Mais père, pourquoi tu fais ça? Déjà, suce mon petit. Hé,
Je crois que ton set, c'est sale. Oh putain. Oh c'est des fous. Le mec il roule la portière ouverte et tout là. Ouais. La première, il s'en fout parce qu'il peut pas sortir de la voiture. Ouais, on se demande pourquoi il y a des portières. Je suis sûr qu'ils ont même pas de jambes. T'es en défoncé un et dès que la voiture elle est à l'envers, tu regardes à cap. Moi je pense qu'ils ont des jambes mais elles sont vite faites. Je pense aussi. Ah arrête. Attends, il fait quoi là? Il fait waouh. N'empêche, il a une sacrée maîtrise. Ouais, même dans GTA on peut pas faire ça. Je crois que c'est lui. Ouais, hein, voilà, il a fait demi-tour, il s'est gogolisé. Ah, est-ce que t'as des jambes? Putain, l'arbre il fait chier, on voit pas. Je voudrais être en caméra libre. On va demander à Leiden. Ouais. Mais lui il fait que des jeux Nintendo, il s'en balèque. Ben non, il a fait BioShock aussi. Hein. BioShock, ce qui était débile, c'est qu'il est, il avait des reflets mais dans l'eau, mais c'était pas les reflets de la pièce. Waouh! C'est le bordel! Ils font comme les martinis, ils baisent en l'air. Oh, il s'est crashé. Ok, on en a éclaté d'art. Ok, lui, il va me faire chier avec son motard. Je parle pas du motard. J'ai pas vu, putain, s'il avait des jambes. Il bouge trop vite. J'en ai un à foutre de toi. Je reviens. Yes. Il a trop de flics. De ménage sur M6. Avec José et ta mère. Faire un truc. A chaque fois qu'il y a un barrage, je vais faire AAAAAAH. Et comme ça, quand Grigou il va faire plein de gueules, ça va faire AAAAAAH. Ouais. Nard. Qu'est-ce que ça suffit? Waouh. Incroyable. Ça, c'est vraiment une poursuite. Ceux-là, ils sont terrifiants. Tu les vois en face de toi, tu peux rien faire parce que c'est une tête de gens. Alors, donc, je vais faire un truc. Je vais faire demi-tour. Comme ça, moi je serais prêt à échapper à la police avec un technique secrète de l'arbre. Énorme police. Mais c'est pas l'heure de leur échapper encore. Hein. Non, mais je sens juste le sens. Oh putain! Oh putain! Il faut trop peur, putain, quand tu les vois en face là. Faire durer la poursuite, j'ai. Ok, il reste les flics. Les. Ouais, y'a les renforts qui arrivent dans une 50. Putain! Oh non. J'espère qu'il y en a pas un derrière. Oh là là! Là, y'a plus qu'une voiture. Et oui, le problème, c'est que putain, il faut en frôler 32. Et les barrages, ça compte pas, fait chier. Ça veut dire qu'on va se taper ce gogol pendant 1 minute 30 alors qu'on pouvait toucher des bagnoles et. Ah ouais. Ça a compté ou pas? Il va pas frôler tout. Ah bah, va essayer de taper les deux. Putain, mais ils l'ont buté. Non, il est pas mort. Ils arrivent. Ouais. Ils sont à 2. What? Et t'as fait quoi lui? Attends, il est reparti dans l'autre sens là. Il est bien. Colère! Il faut que tu me tapes! Dégage! Non! Ah, il fait gaffe hein! Colère! Oui, de toute façon il est trop loin et pourquoi pas me suivre? Putain, je vais me retourner! T'as pas tout le score là, toute la prime, je crois. Ah putain, si! Ah ouais, faut attendre. Ouais, bah vas-y, on va. Et il a fait un truc, c'était de la folie là. Mais il fait quoi? Pourquoi ils vont dans l'autre sens? Mais putain, ils sont en train de faire. Ils font Tokyo Drift là! Putain, ils sont dans la boue quelque fois! Ils sont partis pour faire Tokyo Drift dans le club de golf là! Revenez! Mais revenez, putain! Mais putain, c'est con! Regarde, mais on dirait qu'ils s'enfuient, ils ont peur de toi! Mais oui, c'est ça! N'importe quoi, putain, voilà, maintenant il va falloir attendre 30 ans le temps qu'il. Tant qu'il y a un nouveau Jacques Cheminade qui arrive avec une voiture et. Eh sinon non mais au pire je les sais mais je fais les autres défis, je fais les radars hein. Y'a des radars hein. Putain cette tension. C'est quoi un SM? Bah, t'es sûr qu'il y a assez de radars? Et. Je sais pas.
T'avais faire combien de défis? T'avais fait deux défis déjà. Hein. Oh, vas-y, échappe-toi. Je veux dire, avant que l'hélico il arrive. Parce que ouais. Il peut arriver à tout moment, ce con. Yes! Les 4x4 Google, c'était quand même drôle. Hein. Oui. J'espère que, putain, il n'y aura pas de soucis sur cet enregistrement là. Oh non! 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 Pourquoi sur l'autoroute? Attends, non, peut-être que c'est le respect parce qu'il est con. La cachette. Non, il m'a revu. Non, non. Aïe, aïe, El Bagador. Aïe, aïe. Vas-y, reste là. Ça s'échappe pas, là. Attends, mais il te voit. Tant qu'il est là, oui, il voit ce con, là. Oh, allez, fais gaffe, allez. Oh, 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 oh. Ça y est, ça repart là. C'est pas prévu tout ça. Il y avait quand même un flic qui attendait que tu viennes défoncer le parage pour ensuite te poursuivre. Ouais. Il voulait pas miner sa Corvette, sa voiture de fonction. Ouais, regardez, comme ça. Il l'utilise pour aller chercher sa copine. Sa copine, je sais pas moi, à l'université, et du coup il frime avec sa Corvette. Là, il y aura plus de poursuites à mettre dans cette vidéo que de courses, parce que c'était vraiment drôle. Et j'espère que ça enregistrerait, parce que sinon, bah, je saute par la fenêtre. Ben voilà, Ouais, c'est Ronnie. Écoute, je me fous de ce qui se raconte sur toi. Je vais t'humilier. C'est quand tu veux, vieux. Grosse merde. C'est quand tu veux, vieux. Et bien voilà, donc notre cher ami Grivou affrontera ce mec qui a vraiment la grosse tétard et une tête de con. Le number 3. Le number 3, comme disent certains. Et exactement, donc merci d'avoir regardé cet épisode d'art et... Oh